Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai été chercher mon nouveau PC. Alors, je vous le montre. Ah non, ça c'est mon chat. Donc voilà mon nouveau PC. Alors, bon, montrer la boîte comme ça donne pas grand-chose. Donc, je vais vous donner des détails. Si mon chat peut arrêter de jouer avec le pied du tapis. Donc, voilà, je vais vous donner les détails. Donc, c'est la tour HP. C'est un processeur Intel Core i5, 3e génération, 3,2 GHz. La mémoire RAM, j'avais 8 GB dedans, c'est-à-dire 4 barrettes de 2 GB. J'ai fait remplacer une des barrettes par une barrette de 8 GB, donc on a un total de 14 GB de mémoire RAM. J'ai un disque dur de 500 GB, puis j'ai fait rajouter un autre disque dur de 250 GB, plus installer Windows dessus. Donc voilà, total de la facture, 452 $ et 18 sous canadiens, ce qui donne un total selon Google de 304 $ et 5 centimes. Voilà, donc pour mon nouveau joujou. Puis j'ai une carte vidéo que j'avais dans mon ancien ordinateur, donc qui est une GeForce GT610 Zotac. Donc voilà, que je vais installer dans celui-ci. Donc, ça va être pratique. Ça rajoute un autre gig de mémoire RAM. Donc, je vais être à 15 gigs de mémoire RAM. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai, il me reste dans le fond encore 3 barrettes de 2 gigs de RAM que je peux remplacer par des 8 gigs éventuellement. Donc, j'aurai un total de 33 gigs de RAM. Donc, voilà, c'est mon nouveau joujou. Donc, je voulais vous en parler. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que j'ai fait une bonne affaire. 452 $ et 18 canadiens ou 304 € et 5 centimes. Donc, laissez-moi savoir si j'ai fait une bonne affaire ou je me suis fait avoir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.